Bonsoir. Léo, c'est une belle victoire ce soir, importante, quand tu gagnes 5 buts à 1 à l'extérieur où vous aviez eu beaucoup de difficultés cette saison. Comment vous avez maîtrisé ce match, même si à un moment donné il y avait un partout quand même, hein? Oui. Et je pense qu'on a fait les choses bien. Et on a frappé beaucoup. Et pas en première mi-temps, plus en deuxième. Et on a marqué, ça c'est le plus important. Donc oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner 5-1 et aussi de marquer beaucoup de buts. Mais je pense que aussi on doit améliorer parce que on peut contrôler avant cette match. Mais oui, il faut regarder qu'est-ce qu'il a passé au but. Je sais qu'avant cette action de le corner, j'ai pu les dégager avant. Mais oui, il faut les regarder, il faut être content aussi parce qu'on a gagné ce gars. Trois victoires consécutives depuis l'arrivée du coach Gasset. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Votre état d'esprit a changé. Votre réalisme aussi, parce que vous marquez beaucoup de buts. Oui, je pense que on a pensé entre nous qu'est-ce qu'il passe. Il avait beaucoup de coachs et je pense que c'est aussi la responsabilité de nous, non? Les gars. Et donc oui, c'est aussi grâce à Gattuso. Grâce à Gattuso qu'on gagne, c'est grâce aussi et on est content maintenant. Mais il y a beaucoup de choses, Léo, qui ont changé. Tu as vraiment cette... Est-ce que c'est un autre OM en 10 jours, là, vraiment? Est-ce que tu as cette impression-là? Je pense que on a réveillé. On s'est réveillé. On a oui, on s'est réveillé. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas. Et je pense qu'on s'est réveillé et ça c'est le plus important. Et maintenant il faut finir la saison comme ça. Il faut être concentré et gagner tous les matchs. Est-ce qu'il faut quand même une confirmation? Parce que c'était le Shakhtar, Montpellier et là, Clermont, pas des équipes super Oui, mais redoutables. avant on a souffert avec tous. Donc aussi il faut les confirmer, ça c'est sûr. Maintenant je vous dis il y a des matchs très importants et on va les faire, je pense. Le match de Coupe d'Europe, il arrive vite, c'est bien, vous êtes dans une bonne période. C'est un match un petit peu particulier parce que c'est bon, c'est un huitième de finale de Ligue Europa. Vous allez retrouver votre ancien coach, Marcelino. Comment vous êtes à... Petit sourire, mais à quelques jours de ce rendez-vous. Oui, on joue notre match. Et on le sait qu'il y a Marcelino là-bas, mais n'importe quel coach, il est en face, on veut gagner. C'est un huitième, comment vous dites? Huitième de finale. Huitième de finale. Et il faut le gagner. Donc, pour les supporters et pour nous, parce qu'on a besoin de ça aussi. Mais les supporters, ils ne sont pas contents de Marcelino qui soit parti. Comment le groupe vit ça? Et non. Un peu la revanche, tu connais le terme revanche un peu ou pas? On veut gagner, on veut gagner. Comme je te dis, n'importe quel coach il est en face, on veut gagner ce match. S'il y a comment tu as dit? La revanche. La revanche des supporters, c'est entre les supporters et les coachs. Mais on est focus sur le match, sur le terrain. Dernière question, Léo, qui est-ce qui fait la musique là dans le vestiaire? Oh, je sais pas Parce aujourd'hui, que. mais ils ont mis reggaeton bien. Ouais, c'était bien, c'est bon pour moi. Ciao. Merci.